Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Track Day. Aujourd'hui, place à une voiture moderne qui a fait ses débuts en compétition il y a quelques semaines. Lors des 24 heures de Daytona, la BMW M6 version GT3 et non GTE. Cette fois-ci, voiture modée payante, il faut le préciser, développée pour Assetto Corsa par l'équipe d'Assetto Garage. Cette voiture, on va vous en donner quelques petites spécificités techniques alors que l'on va rentrer sur la piste de la boucle nord d'ici quelques virages. C'est donc une voiture qui débute en 2016 avec un moteur V8 à 90 degrés, un moteur de 4,4 litres qui développe 508 chevaux. Pour alimenter, pour aider tout ça, il fallait bien un moteur biturbo, c'était quand même le minimum. Cette voiture va donc débuter dans le championnat, notamment GT3 et GTE, mais ici la version proposée est bien la version GT3. Précisons également que c'est une voiture qui pèse 1300 kg et qui possède une boîte séquentielle 6 vitesses. Et il faut constater que j'ai été assez surpris de l'agilité de cette voiture, qui, bien sans forcément titiller les réglages, se laisse tout doucement mener sur la Nordschleife. Par contre, si vous souhaitez les performances, là il va falloir sortir le carnet de notes et bien travailler vos setups. En attendant, on va vous laisser profiter du son, même si celui-ci n'est pas le meilleur atout de ce mode. Il faut forcer de constater que la modélisation 3D de cette M6 est tout simplement parfaite. Elle paraît un petit peu pataude, comme l'était la Bentley finalement. Vous voyez bien qu'aujourd'hui on s'y est très bien habitué dans les différents championnats à travers le monde. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de monter le son et de profiter de cette boucle nord et de cette BMW M6 GT3.
Thank you.